Cette célébration est non seulement l'expression de l'hommage rendu par l'Union africaine aux enfants de Soweto tombés sous les balles de l'apartheid, mais aussi à tous les autres enfants africains victimes d'injustice sociale où qu'ils se trouvent. Elle a pour vocation de rappeler aux communautés la place de choix que doit occuper l'enfant dans la société et susciter leur intérêt sur les questions relatives à son bien-être et à son épanouissement. C'est donc l'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de défendre, de protéger, de respecter les droits de l'enfant en général et ceux de l'enfant africain en particulier. Dans ce cadre, je voudrais vous inviter à saisir l'opportunité de cette célébration pour lancer une véritable croisade en faveur de la protection des enfants atteints d'albinisme. Ces êtres qui nous sont chers et qui, malheureusement, payent de nos jours un lourd tribut du fait de leurs conditions. Nous devons agir en faveur de l'accès aux services sociaux de base pour nos enfants, y compris ceux issus des familles vulnérables ou à risque, en développant des filets sociaux permettant d'améliorer la scolarisation, l'hygiène, la nutrition et la santé, y compris la santé sexuelle de nos enfants.